Lui, je vais pas de l'avant. J'y vais pas. Elle me manque. Chaque seconde que Dieu fait, ma sœur me manque. Ils me l'ont enlevé. On s'appelait tous les soirs. Elle me montrait comment aller s'habiller le lendemain pour aller en cours. On faisait des lunchtime, on appelait ça des lunchtime, on mangeait ensemble en FaceTime vu que j'habitais pas à la maison. Quand ça allait pas, ma mère elle me demandait de l'appeler, je l'appelais, elle se confiait à moi. J'essayais de rentrer le maximum les week-ends et les vacances, je passais tout mon temps avec elle, je faisais de la musique avec elle, on écrivait des chansons, on chantait. Et maintenant elle est plus là, ma vie elle a plus de sens. J'ai dû l'appeler pour lui dire que sa sœur était décédée. Je l'ai fait en 4 fois, alors qu'elle était déjà morte. J'ai pas osé lui annoncer la nouvelle comme ça. Je l'ai fait en 4 fois et c'est au bout de la 4e que je lui ai dit elle est partie. Il comprenait pas quand il me disait quand je lui disais elle est partie, il comprenait pas ce que je voulais dire. Il comprenait pas. J'avais tellement peur de lui annoncer la nouvelle parce qu'il était fusionnel avec sa sœur. Je suis désolée, Ryan. Non, mais pourquoi tu t'excuses au moins? Parce que je ne l'ai pas protégée, je ne l'ai pas assez protégée. Je suis désolée, Non, Ryan. arrête, 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 Je suis arrête. désolée. Non, t'excuses pas. T'excuses pas. J'avais que ça à faire, ma vie, j'avais que ça à faire. J'avais que ça à faire. C'est pas de ta faute. C'est pas de ta faute. Dis pas ça.